Yo la fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde, merci pour fidélité nous avec l'équipe TV Caraïbes depuis Mombasa Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi a nous parler vite au sous président République là, Jovenel Moïse qui sorti dans silence pour adresser revendication besoin policiers ici dans Haïti. Mais avant nous faire ça, équipe TV Caraïbes veut remercier tout le monde qui toujours branché TV Caraïbes pour information pays. Et un gros remerciement avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous positif ou bien négatif. Ici dans Mombasa Police, équipe TV Caraïbes, nous apprécions ça. Et si c'est première fois visiter nous, information nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec TV Caraïbes et puis ouvrir chaîne notification, ça permet de faire partie équipe notification TV Caraïbes là. Sur même vidéo ou remel, pas oublier abonner. Eh bien, nous pas perdre temps, n'a déroulé avec information yo. On nous samedi 22 février 2020 dans palais national là, président République là Jovenel Moïse accompagné par premier ministre là Jean-Michel Lapin avec plusieurs autres autorités dans pays là. Rencontrer pour adresser besoin revendication policier ici dans Haïti. Président République là Jovenel Moïse fait en pile promesse et il bat en pile détail tout des deux corps pays là gagné armé avec policier qui pour travailler ensemble pour capable réaliser pour capable combattre avec phénomène banditisme désordre insécurité ici dans Haïti. Et bien ces informations ça nous porter pour nous pas perdre temps n'a commencé tout lier. Travail en pile. Nous portons une réponse. Nous avons commencé à porter une réponse. En pile revendication que la police gagne. Dans affaires santé, tout le monde apprend tout le pays, toute société, la situation, l'hôpital Benamis de Vintouville, à un certain moment, il d'abord le fermé. Et il y a un problème qui fait l'avoir le fermé, c'est parce que la police fréquentait Benamis en pile pour avoir une soin de santé pour eux et pour la famille. Et l'État a une dette envers l'hôpital. Ça. Nous te répondons positivement et nous te répondons en urgence parce qu'elle connaît soins de santé pour les policiers, les déterminants dans le travail qu'elle a fait. Il y a un pilote travail qui fait, qui doit aboutir à un résultat qui a un rapport avec les policiers. Le président de la République là, lui-même, pour aller gagner, pour lui parler de ça tout à l'heure. Nous venons trouver nous dans la situation. Une situation côté société, victime d'élite, ses comportements, un groupe policier ces derniers jours dans le pays. Ça te mène rapidement, décision prend. Bon côté président République là, qui devait bien comprendre ce qui a passé. Côté que j'ai été créé une commission. Une commission qui est dans la police, qui est représentant ministère de la justice là-dedans, qui c'est lui-même ministère de gestion de la police, gestion budgétaire, c'est pour une gestion de décision d'action, ça qui a passé dans la police. Mais c'est gestion budgétaire, c'est loi sous finance publique là, qui baille ministre de justice là, prérogative ça. Commission ça, qui te gagne un délai pour lui bailler un rapport, bailler un rapport préliminaire. Un rapport préliminaire, l'elle définit Brenton, San, Tandé, représentant toute force qui est en dedans
la police là, force spécialisée yo, représentant commissaire yo, représentant inspecteur yo. Donc yon rapport préliminaire qui fin tande majorité la police là fait des recommandations. N'a annoncé nation, n'a pas annoncé pays. Recommandations que yo fait yo à partir des problèmes yo te identifié yo fait seulement confirmer ça qui t'a dit à travers la presse qui était sujet à pile interprétation. Comme problème yo et recommandation yo, yo mette yo sous 6 grandes lignes qui c'est 4 de débit pour policiers. Ça veut dire qui ça? Moyen que l'État by policiers qui permettent yo manger chaque jour pendant que y a répondre à responsabilité yo, obligation que yo gagnent pour yo protéger servir. Yo parlé tout de ajustement salarial, yo parlé tout des avantages sociaux, yo parlé tout des soins médicaux, yo parlé des assurances santé pour policiers. Gagnent là-dedans yo, j'en habitué dit l'État doit bailler réponse. Gagnent qu'a besoin de réponse pressé pressé. Gagnent qui a besoin de réponse dans 3 mois. Gagnent tout qui a besoin de réponse dans 6 mois. Gagnent qui a besoin de réponse dans 12 mois. Gagnent tout. Nous qu'a prendre décision sur yo. Nous sécuriser yo dans ça que nous-mêmes nous relait techniquement circuit de la continuité de l'État. Pour l'autre responsable qui vient pour venir dans 24 mois à travers l'élection, continuer pour tes réponses à situation ça. Il y a des décisions qui prend que président de la République là pour gagner lui-même pour l'annoncer. Mais gagner tout qui pas qu'à prendre des décisions pressées pressées. Si nous permettre moi parler des affaires augmentation salaire. Augmentation salaire dans la police a bon pour tout le monde. La bon pour le premier ministre. La bon pour le ministre. La bon pour le président. La bon pour le sénateur. La bon pour la membre de l'armée. La bon pour le sénateur qui est là. Sénateur qui parle bien pour venir. Sénateur député qui parle bien pour venir. Tout ça. Faut que nous mettions d'accord. Il y a des postes l'autre structure qui est dans l'État. Policier. On lui dit automatiquement augmentation comptable dans la police. On lui dit automatiquement augmentation administrateur dans la police. Il veut dire administrateur dans le ministère de l'Environnement. Tout. La concerné administrateur dans le ministère de la Justice. Parce que grille de salaire là dit. Quel que soit pour tout administrateur ou fait pour toucher même COB. Ça veut dire qui ça? Salaire administrateur pralvin pré-pré. Salaire directeur général. Salaire directeur général pralvin pré-salaire ministre.
salaire ministre doit augmenter pour le venir plus près salaire premier ministre. Et salaire premier ministre pas gain droit près salaire président. Donc ça m'a dit en pile réflexion, ça m'a dit d'abord moyen pour reconnaître qui côté a sorti avant ça fait. Mais pas de aucune institution dans l'État qui a voulu qu'il ait même privilège avec les policiers. Et dans ce sens-là, l'État doit prendre une décision précise que le président de la République là, lui-même prendre un engagement sur lui. Et engagement président, c'est instruction pour allier tout le monde qui va avoir une responsabilité dans l'engagement ça à bien pour porter solution. N'a pas permettre tout font petite parenthèse sur l'autre bagaille qui policier famille policier ça tout bail problème dans la police là frère nous seul nous dans la police qui perdit la vie yo dans exercice fonction yo petit yo madame yo vin dans situation difficile policier ça yo frère nak chez nous yo qui te gagne 5 ans dans la police qui te gagne 10 qui te gagne 15 parce que la police là gagne 25 gagne tout te gagne 23 et pendant tout quand il était fait dans la police là côté que il était son fonctionnaire gagné côté que il était con cotiser non bagaille les pensions civiles ministre finance faut regarder ensemble dans cadre d'une commission ministre comme ça policier a été con cotiser comme pensionnaire l'état qu'il parle encore qui Jean nous ka restituer au bail dépendant légal policier ça doit fait président faut grimper derrière ça faut qu'il fait merci monsieur le premier ministre puis on a parlé de qui font recommandation gagne dans rapport chaque recommandation ça a une institution qui va le gagner pour agir sur lui. Et nous connaissons déjà, le monde qui l'a pour gérer l'institution, c'est le chef de l'État, son excellent Jovenel Moïse, que nous invitons au pupitre. Merci, asseyez-vous. Premier ministre, président Sénat, vice-président pour cassation, ministre de Justice, ministre AI, Intérieur et Collectivité Territoriale. Tout l'autre ministre qu'il a avec secrétaire d'État, directeur général, commandant en chef AI Force Armée d'Haïti, l'autre membre au état-major Force Armée d'Haïti, directeur général police nationale, l'autre membre commandement police là, membre la presse parlée écrite et télévisée. Jean m'a annoncé lui, m'était dit jeudi samedi, faut qu'on gros chita parler qui fait sous problème. Il y a une pire institution que le pays a rien, ça veut dire institution qui est responsable pour exécuter tout ça que la justice a mis comme mission. Et il y a une pire mission, c'est de sécuriser la population. Et de viser les mêmes, c'est protéger la service. Aujourd'hui, Gavin dit que moi reconnaître conditions précaires que les policiers ont vécu là-dedans. Image, je parle de eux-mêmes. Une image vaut mille mots. Pendant 3 ans,
tête pays. Moi visité un pile commissariat dans le pays en général. Il y a un peu visité qui pi mal passé l'autre. Et faut me dire, il y a un commissariat qui est arrivé là-dedans, mais pour lui, j'ai mis tête dans la tête. Parce que ce n'est pas possible. Des gens qui là pour protéger nous, pour servir nous, pour être dans la condition ça qui va vivre. Ça, c'est constat. Décision que je prends tout, dans plusieurs commissariats, par exemple, commissariat Gavou, je voulais parler du commissariat central là, de Omega, que nous refaisons de droit. Et ça, c'est des décisions de m'arriver. Le directeur général là, qui est arrivé après moi, qui fait constat. Et nous ne pas que l'ouverture administrative, administration publique, là, pour devenir en aide à policiers. Rapidement, à travers INFP, je vais parler de l'Institut national de formation professionnelle, que j'ai rencontré le directeur général là, avant-hier, encore. On a un rapport sur qui quantité production carbone que le café. Il a dit, mon président, depuis, il y a une demande. Tout côté bien commissariat qui vient de droit, lui-même, jeune professionnel, étudiant finissant, il y a plusieurs écoles professionnelles qui ont un atelier pour réagir sur ça. Et c'est lui-même qui était réagit sur le commissariat Carrefour. Commissariat Pétionville, on parlait de Dotoir. Commissariat Bonaïve, commissariat Bigou. Commissariat, nous songeons que j'ai un commissariat m'a sauté au Cap, blême rivé. Dans mon cabrit, je m'ai décampé. Je me crois zone dans les terriers rouges. Et responsable, tu as expliqué mon problème énergie qui a été gagné avec le transport. Et tout de suite, vos commandements, directeur général, là, tu voyais aux machines bouillon avec motocyclette pour nous-mêmes que nous t'aider. Il faut me dire pendant 3 ans, moi là, moi j'ai eu la chance de collaborer avec vos commandements policiers. Et lui, plantrienal là, les gens nous connaissent. Le problème budgétaire en Haïti fait que si nous tapons, parce que moi ça fait 12 mois sans gouvernement, il fait 2 ans sans budget. Si nous tapons que ce budget pour nous dégainer, pour nous dégainer le gouvernement, c'est capi grave. Nous te font pile effort. Nous vivons pendant 3 ans by environ 250 véhicules neufs dans la police nationale. 250. Sans budget, sans gouvernement. Et moi, monsieur, ministère qui t'a gagné des véhicules, des contrats, que vous-même, vous t'avez metté à travers le ministre de la justice, là, quantité de véhicules à disposition la police. Parce que ça qu'a fait dans l'État, le ministère m'a donné l'autre pour mettre les biens au service de lui à disposition de l'autre ministère. Dans l'affaire motocyclette même, nous arrivons à environ 200 motocyclettes. 9 pour service la police, ça qu'a marché plus bien. Nous arrivons à permettre 2553 policiers ont accès à soins de santé dans le centre hospitalier Bernameuse. Et il ne faut pas oublier, dans le problème pays loc, des conseils de policiers que soins ont nécessité des interventions à l'extérieur. Et nous profiter publiquement, remercier le recommandement de la police pour diligence nous, que nous avons fait, qui te permettent que nous avons évacué plusieurs dans les policiers. Dans pays étranger et dans dignité et jusqu'à présent pour un soin de beaucoup tourner dans un pays étranger toujours sous compte l'État ici. Grand pile bagaille qui fait, mais grand pile bagaille qui pas parler. Parce que moi-même, je dis
dans la police là est pas différent. Ça veut dire que je ne suis pas capable pour m'ouvrir dans le cours. Autant que je m'ouvre aujourd'hui, et la police là, pour ne pas voyager garder. Dans le pile travail qui fait, il y a communication qui supposé faite, qui pas fait, qui fait que dans le pile bagaille qui fait, que peut-être policiers et grand public là pas de connaître. Dans le coup, les affaires commandent machine blindée pour la police. C'est dans le plan triennal, la police a vu. C'est là nous t'es. Qui t'a demandé 15 machines. Et depuis sous administration passée, sous ancien DG police, nous t'es chita à parler pour nous dire comment pour faisabilité basée au fait. Parce que là où il y a un bandit qui a augmenté, il faut répondre, il faut proportionnel. Et c'est pour ça, même au commandement, moi, je songe dans le mois de septembre, nous faisons rencontre. Le CSPN est élargi. Il y a une plus grosse demande, c'était président, sous le café, l'impossible, l'impossible, pour nous un équipement, pour nous colter. Piètre. Bandit professionnel qui est venu. Rêve ça, après 6 mois, hier soir, il est venu réalité. Et je crois que, c'est un bon bagage pour le commandement policier de mettre les véhicules ça au dehors pour la population. Pour comprendre, c'est pour eux. C'est pour servir eux. Pour être capable de sécuriser, protéger la vie avec bien. Moi, avant de continuer, je parle de deux personnes la parole. Parce que, la recommandation que le Premier ministre a dit, et moi-même, je ne suis pas là quand le policier, tout le monde dit ça, je parle avec vous, regardez, je parle avec le policier qui des agents 1 jusqu'à agent 4. Moi, ouais, les affaires 4 débiens font unanimité. Et, bon, regardez dans la police, je me connais depuis longtemps, qui dit mon président, le policier qui a une responsabilité, parfois on fait 3 ans, il va nous connaître le docteur. C'est le capitaine. C'est lui qui tout bagaille. Parce que si on l'a mort, il faut bien, il faut lui-même intervenir. Si il y a une maladie, il faut l'intervenir. Dès qu'elle arrive, il faut le payer. Et c'est pour ça, on va le passer ministre, financement, la parole. Vous venez de devant la nation ministre, qui sont fait, vous avez fait ces 4 là. Merci Monsieur le Président. Et bonjour tout le monde. Et pour ces 4 là, nous prenons disposition pour nous doubler. Et ceci à partir du mois de mars. Mais qui date nous mars? 1er mars. Ok. Un double, combien de liens qu'on y a, combien on va mettre là? Et 5 000 gouttes liées, on va mettre 5 000 gouttes sous l'île, 1er mars. Le 1er mars, après ça. Eh bien, ok, merci ministre. Je crois que nous entendons, les policiers, vous comprennent, ça veut dire, si finance parlait, c'est le grand agentier de la République qui se balait, et nous pouvons, toute caméra là, nous comptons ministre finance dans le ça veut dire, si 1er mars, ça arrive que la police. Bon, pour le commandement, nous comptons qu'il y a des gens qui frappent pour nous, pour dire, pour le réagir avec nous, parce que faut que ça respecte. Deuxième monde qui parlait, c'est le travail que il y a des gens au commandement qui connaît, ça y a un an. Moi, j'ai été invité dans Lyon. CSPN spécial dans résidence officielle pour mes ministres. Pour qui ça me demande invitation, c'est parce que l'homme tape garde des dossiers l'on a aussi, moi chaque temps balé nous l'on a toujours tourné parce que pour moi c'est un choc que l'on a. Comment des gens qui cotisent plus que 450 000 personnes cotisent comme eux et puis son groupe de gens qui décide comme la passant Black Moon Jones avec mon groupe de gens. Je suis allé dans le CSPN et je me suis demandé pour inviter le directeur général. Je me suis dit que les policiers ne sont pas capables de prendre un coup de poing. Je me suis dit avant,
vous serez de boc ou bien moun c'est épée ou bien dans le cap fouin de policier. Mais l'on a son des petit carnivore, moun dit son petit couteau l'on a rien. Ça veut dire en nous, si policier ou tout, ça avec petit couteau ça. Le ça, nous parle pour y aller, il y a des blessures qui ont guéri. Je vais prendre une décision qui me demande ça il y a un an pour commencer à travailler sur lui. Et je ne peux pas communiquer sur lui parce que de beaucoup est fini. Même quoi qu'aujourd'hui, il y a des réponses positives. Le directeur Lona va l'expliquer nous. Comment un policier vont partir dans la loi Lona même qui permet qu'il y ait des volontaires qui rentrent dans Lona et qui gens savoir le faire. Monsieur le DG. Merci, Excellence. Et avec permission, Excellence, tu as aimé faire une petite historicité. Donc, il y a tout le temps. Déjà, par la nation, par la police. Moi, songez, après 1er janvier 2019, président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, invité pour lui passer des instructions. Et nous rencontrons le président dit déjà il y a trois gros secteurs qui n'ont que une tare mais dans quatre programmes, même si ça fait pour qu'on a fait mesdames, j'ai une activité qui a dégagé, une tare mais pour trois secteurs qui ont mis ma cœur. Pour nous commencer, à partir de loi 4 on a, qui est possible pour le secteur ça. Le président dit que c'est policier, c'est enseignant, professeur, et puis personnel santé. Mon Dieu Excellence, selon loi 4 on a, nous avons une provision légale pour nous capables, et pour les policiers, et pour professeurs d'école. Loi 4 a dit que si ou pas n'ayons activité privée ou professionnelle, si c'est dans l'institution publique, il y a une possibilité pour venir assurer volontaire de l'ONA. Assurer volontaire de l'ONA veut dire que ou à la fois entrepreneur ou bien patron et ouvrier, le ça ou à payer 12%. De salaire que vous gagnez. Président Jovenel dit, bon, si vous avez une provision légale, c'est ça que vous avez testé, dégageons ma pestuie. Premier ministre, à l'époque, c'était Premier ministre Jean Lycéen et directeur général de la police, M. Gédéon Michael, pour nous commencer le travail ensemble. Et une semaine après, nous recevons un appel de Premier ministre qui invite notre bureau avec et directeur général Gédéon. On dit PM qui est faisabilité, la loi pour côté nous, pas de problème pour monter le projet. Et c'est ainsi que il y a une commission mixte ONA et police nationale qui travaillent ensemble. L'un de fin de travail, président Jovenel, provoqué une CSPN élargie, côté que nous venons par rapport, nous venons par rapport de ça qui est fait. Là, nous évoquons 12%. Le président Jovenel dit que les policiers n'ont pas de cop suffisamment qui était sous chèque, ils n'ont pas qu'à payer 12% pour continuer. Donc l'État a venu en appui, l'État a moitié, et les policiers qui voulaient, pas bien nous dit c'est assurance volontaire. C'est policiers qui voulaient, qui ont pu assurer dans l'ONA. Donc l'État, à travers instruction que le président est passé à ministre des Finances à l'époque, c'était ministre des Finances, continue le travail. Mais entre-temps, tu es venu gagner un problème de communication que nous avons pour nous passer de la parole aux actes. Donc, maintenant, l'envie aux policiers vient assurer, alors pas pour informer Excellence, qu'il y a un paquet de policiers dans plusieurs unités déjà qui étaient assurés volontaires au NA avant même le programme. Tellement je connais que sur le plan, parce que l'ONA, grand plus de monde qui n'est pas commis sur l'ONA, nous sommes en banque, c'est vrai,
mais nous gagnons tout le rôle de sécurité sociale que d'apporter des avantages sociaux par l'ensemble de la population. Et c'est ainsi que, pour arriver à assurer volontaire de l'ONA, policier ça, l'a écrit directeur général, c'est sa loi dit, et directeur général a autorisé service compétent pour capable faire 4 assurés volontaires. Parce que l'ONA n'a pas prêté COP à n'importe qui monde. L'ONA a prêté COP à assurer l'ONA. Avant, vous prenez COP, vous faut assurer l'ONA avant. C'est sa loi dit. Maintenant, une fois un policier a fait assurer de l'ONA, il est éligible pour gagner tout type de prêt, même gens, à tout l'autre assuré. Naturellement, prêt qu'il a pris de pas qu'à prêter un COP, côté que salaire ou pas qu'à répondre. Il faut salaire capable, nous voulons que tout le monde comprenne ça, ou gagner capacité pour prêter, mais c'est à partir de rentrer ou parce qu'on gagne pour rembourser comme ça. Donc, c'est pour informer nous, grand public là, et que grand public policier, Jean-Président, a dit que depuis un an, le projet a été là déjà. Mais maintenant, instruction directe du président, c'est pour nous passer à l'action. C'est pour tout inviter grand public et policiers en particulier, que à partir de 3 mars, ils sont capables de passer dans tout bureau l'ONA qui est dans le pays, avec une correspondance qui a adressé à directeur général là, et nous-mêmes, nous avons monté un dossier, nous avons promis du 3 mars jusqu'au 25 avril, et à peu près, Excellence, nous avons porté dossier, nous avons promis lui, à ministre financier, qui a regardé combien de policiers qui intéressés venir inscrits volontairement dans l'ONA. Et là, ça, la pipe, premier ministre, ministre finance, possibilité pour le capable présenter budget à partir du mois de juin. Et le budget a fini de voter, l'État a pas bon, moitié. Comme on est, excusez-moi déjà, parce que année ça sont année spéciale, pas législature pour voter budget, a dit le décret fini pour le budget, le ça. Et pour les policiers, vous êtes capable d'utiliser comme l'homme des points à développer. Oui, très bien. Merci, Excellence. Donc, puisque Paguen, c'est à partir de 1er octobre jusqu'au 30 septembre pour le prochain budget, hein, donc, policiers Sayo qui décidaient d'assurer volontairement dans l'ONA a gagné possibilité pour qu'à venir faire prêt. Mais pas tout de suite. L'offre finit assurée. Par exemple, si je m'assure dans l'ONA, je vous dis, c'est 22. Si je m'assure aujourd'hui, 22 février, après combien de mois, je suis éligible pour me prêter comme. Si nous étions dans le cas policier, Excellence, l'a commencé à partir du 1er octobre. Et après 6 mois, policier a gagné possibilité. Et encore, c'est chaque année où l'inscription ça a renouvelé. Pour nous qu'il y ait une ligne avec le ministère de Finances, de façon que, supposons, année ça nous gagne 2000 policiers qui sont intéressés, et bien l'autre année, nous devons joindre 4000. Donc c'est au fur et à mesure qu'on a renouvelé. Et là, nous pensons que ça résout un paquet de problèmes. Et ça qui est important, Excellence, dans le cadre du programme On a la police, après 20 ans, côté que le policier Sayo, qui assure volontairement à payer, et les gens ont 55 ans, il a bien droit tout à assurance vieillesse ou na. Donc, le ministère des Finances fait prélèvement pour eux, pour pension, ils ont même payé, ils ont assuré volontairement dans l'ONA. Donc, au soir de leur vie, Excellence, il y a bien deux pensions. Il y en a dans le ministère des Finances et puis l'autre là, dans l'ONA. Donc, c'est en gros, c'est l'histoire. Merci et ça m'a demandé tout déjà. Au commandement policier, je pense que faut à travers l'académie, nous commencer capable de permettre les gens d'exposer ça. Il y a le fait directement aux policiers parce que comme on est son corps, il y a même qui pratiquement qui a travaillé nous forme unis, ça veut dire des tabous pour gens d'exposer ça pour tout faire là pour tout pays là, pour eux mêmes policiers en particulier pour faire gens d'exposer ça pour permettre que vous connaissez ça bien. Très bien, Excellence. Nous disponibles. Merci un peu. Et maintenant,
si nous comprenons bien, c'est que DG a dit nous, tout policier, captain de cap gardé là, ou qu'à entrer dans l'ONA, les pouvler. Et le ministre finance dans qui là, automatiquement, ou même qu'on entre dans l'ONA, l'État haïtien a accepté pour payer 50% de frais cotisation. Le ministre n'a pas vu expliquer frais cotisation. Vous nous connaissez ce qu'il y a dans le budget, parce que, bah, yo, le président, vous dit, mais c'est responsable. Mais vous dit, pour comment le paiement a fait pour frais cotisation. Cotisation l'ONA, c'est 12%. L'État a payé 50% pour vous comme employeur et employé à lui-même lui payer 50%. Ça veut dire si c'est 60 gouttes, l'État a payé 30 gouttes, cotisant a payé 30 gouttes. Très bien. Ça veut dire en fait, dans le budget, comme ça, là, pour les policiers, par exemple, l'État vient nous présenter nos guichets, on n'a pas dit l'État n'a pas de payer. Dans le budget national, là, là. Non, c'est le directeur général Luna a expliqué ça. On a pratiquement deux assurances. Non seulement la pension civile que le ministère finance géré, mais tout la sont assurés Luna. Très bien. Avec et ces deux cabesses. Exactement. Et l'État lui-même, à travers le ministère finance, les garanties, mon montant. Régulièrement, l'État paye Luna pour tout employé chaque mois. Régulièrement. Okay. Très bien. Et nous à jour jusqu'à moi ça. Ok. Merci. Ok, c'est ça, point ça, nous comprenons très bien. Nous parlons d'affaires 4 débits. Nous parlons d'affaires crédit l'ONA. L'autre point que nous avons travaillé sur lui d'ailleurs, tout le monde détend dans la campagne. L'homme dit que les métiers de la patrie, c'est des métiers ingrats. Et me songe, chaque ça nous dit dans la campagne là, c'est un bail qui arrive. Il y a plein de monde qui demandait côté président ça, candidat ça, un coach ça. Coach, entraîneur qui me dégain, c'est vécu par moi. C'est ça, me vivre personnel. C'est les mêmes, c'est plus entraîneur qui me dégain. Je changeais les petits monde, parce que je n'ai pas oublié autour du nord côté me fait, pas de kindergarten, c'est l'école maternelle qui dégain. Tu es un maître qui est le maître popo. C'est la Kaili qui a été mette, c'est ça où les hommes sont petit monde pour le dégaucher. Et je me dis l'école adventiste qui était tout près là quand même. Tout petit. Dès qu'on levait les tout seul mieux à l'école et puis me lever pour contre moi. Je suis dans l'école adventiste pour mener me tourner. Petit monde 2 ans. Et maman m'a décidé de mettre un mettre popo. L'homme entrepreneur m'a songé, je retourne autour du nord, ça a dit, je songe à mettre popo. Parce que dès qu'on fait me dormir, dès qu'on rete, les mamans mal dans le marché, ça veut dire pas passer chercher, je ne vais pas chercher jusqu'à soi. Je suis allé pour me demander côté quand il mettre popo. Et puis, il y a un monde qui dit mettre popo. Et puis, je regarde mon vivre dans le gêne, dans le mythe, dans la crasse. Et c'est de ça que l'idée que tu es venu dans la tête pendant la campagne pour me dire que je considère professeur de l'école, personnel médical et policier comme des métiers de la patrie, c'est des professions ingrats. Il faut l'État capable d'encadrer les gens qui permettent que, après au fin de l'âge avancé, ils ne parlent pas de pain où ils vivent. Ils ne parlent pas de dormir dans le coin quand ils sont. C'est pour ça que nous travaillons pour nous camper un programme. Nous avons redynamisé l'entreprise publique de promotion de logements sociaux. Ça, tout le monde connaît son nom EBBLS. Moi, je suis allé prendre une décision en 2017. Et puis, le monde dit que le président est l'autre institution pour me faire. Je dis moi-même, je viens là pour me renforcer l'institution, je viens là pour me remplacer. Je dis que avec nouveau staff dans EBBLS, il y a des gros résultats que je viens. Dans la zone grandance, taille construite, taille continue à construire pour les gens qui ont des problèmes après le cyclone Mathieu, dans NIP, dans le sud. Et je veux dire, il y a une décision qui prend. Je crois que le projet est en phase finale. Je vais demander au directeur EBBLS pour lui expliquer.
qui terrain qui vient déjà, qui la carrière a commencé, et pour ta même ban mon petit idée souffrir caillou et dans combien de temps te qui ton d'intérêt tout que mon policier vous dit les cap payer si non appartement les va l'acheter. Directeur général EVPLSA sous affaire caille village policier. Merci président. Pour saluer toute assistance là. Le président de la République là, t'es nommé le tête de PRS. M'a dit ça, franchement, je me dis ça. Je me sens genre gêné. Comme ancien sénateur de la République, et puis je connais PRS, son institution qui t'a dormi moribond, je me dis ça, je vais le faire là, et je suis nègre qui me travaille. Je travaille depuis 1982. Et côté bien là, il y a des pensions dans l'État déjà. Alors, et puis le président Palavem, il dit, Bistret, il y a un gros projet pour le PPLS. Expliquez, mais bon vraiment, il y a un amour. Et puis il dit, depuis quand pas il y a trois catégories professionnelles, comme policiers, enseignants et personnel de santé, qui travaillent très dur, mais ils n'ont pas touché gros comme. Fon fon bay pou yo, fon permet yo gon logement décent. Et depuis là, nous mettons notre travail. Notre travail, sérieusement. Et puis le président prend deux arrêtés, ils sont trois arrêtés, pour déclarer nos terres en Delma 33, qui environ 18 hectares, visite publique, pour construction de logement, ou pas de logement social, logement abordable, pour trois catégories. Ça yo. Et nous avons un terrain qui fait 5 hectares dans une charbonnière, côté le vulgairement ou bien communément terre cinéaste. Nous avons un terrain sous piste là tout qui plus de 10 hectares. Et récemment, nous avons 57 carreaux qui sont apportés dans le nord. Et c'est à travers tout le pays, toutes terres ça, on a identifié, on n'a pas planté. Parce que pour y aller pour l'étendre. Eh, va me monter pour investir. Pour mon bâti, c'était mon marché pour. C'était l'État. Parce que il n'y a pas de grande et de petite prescription sur les terrains de l'État. Moi, nous rendons mon gars prendre vite. Moi, c'est ça que mon domaine, je dis, DG. A dit, quel que soit le monde qui va nous monter l'État dans mon. Depuis, c'est pour caille, pour policier, professeur à l'école, à mon gars travail dans le domaine de santé, assure au début et PPLS, rivez sous. Terrain, depuis le temps, on va régler un Yavel. Il y a possibilité, il y a un petit problème technique pour l'État. Récupérer l'appel pour le faire caille, pour policiers, pour faire l'école avec personnel médical. Vous mettez continuer. Oui, merci président. Mais n'a pas ajouté tout, une loi sous déclaration d'unité publique là, même si tu es pour X, Y, Z, depuis l'État besoin pour bagaille communautaire collectif, il y a pris un décret, pas de péché dans ça. Je crois qu'il reconnaît la loi. Très alors, bien. Déjà. Alors, je dis à là, nous paris, si pas de pays l'autre là, d'après samedi, en décembre, qui sont passés là, c'est-à-dire année 2019 là, nous avons remettre clé, caïsa et la police. Malheureusement, le pays a été bloqué, nous n'avons pas de avancer, je ne dois avancer. Mais je dis à là, nous avons image, ça venu, c'est village ça, pour les policiers. Ancien infirmière, mais d'abord on a commencé avec policiers. Parce que nous disons pas possible. Policiers, la chasse bandit, la couille bandit, des bandits, l'habiter dans le même couloir, même cité, même côté à bandit. Mais je dis là, projet ça fini, pour nous démarrer très bientôt, dossier appel de la fini. Non, attends un moment, déjà. Un petit problème technique, moi-même, je vais très bientôt, manquer un an, 11 mois et quelques jours, mais on va me dater pour déraper. Attends, vous déjà. Bon, oui. Moi-même, à partir du mois de mars, là, le 31 mars, il faut nous démarrer avec le travail construction, ça. Parce que moi, je n'ai pas dormi dans le travail ça. Et sur le. Très bien, on l'autre bas, je encore. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous parlons, ça nous parlons, tout nous parlons. Nous parlons métier de la patrie, nous parlons tout le monde qui a un métier des âmes. Il ne faut pas oublier. Pour les policiers, pour faire l'école avec
Les filles, vous comprenez, vous pouvez oublier les militaires. Parce que, monsieur, quand il y a la mer, tout, les jeunes garçons viennent pour mieux. Les frappes finissent, tout, on a même problème. Non, ça veut dire pour nous changer ça. Bon, oui, président, c'est tout fonctionnaire public qui a vu une côté qui a demandé logement. Parce que le plus gros problème haïtien, je dis, c'est jeunes au côté pour le dormir. Même s'il pas manger, il ne pas te le souper, mais il faut qu'il dorme, il faut qu'il dorme, il ne pas dormir en bas galerie. Petite ligne de votre côté. Et de nos jours, leur prolifération bidonville qui a fait, moi, il y a eu raison, malgré mon compte, l'homme a construit un bassin versé dans la ville, mais quand il est tellement cher, président, vraiment, moi, ouais, faut vraiment politique de logement abordable, ça, comme vous demandez, nous prenons là, faut continuer avec elle, après mon dollar, faut continuer. Et même les Nations Unies, tellement comme ça, ils mettent un développement durable là, non. Onzième objectif là, où il y a un logement social là-dedans, logement abordable. Et au moment de le logement, il faut que toute l'autre infrastructure, même moi, il y a des transports, tout bagaille, il faut le vraiment, ça y a des villages modernes. Alors je dis là, nous pas qu'à parler de développement durable, ça ne va pas parler de logement abordable. Et l'autre prenez si ça, président, Léa, la chose, il faut commencer avec lui, non? Vous êtes en avance de phase. Ça veut dire si moi belle image là, c'est que, dans quelle zone ça va le faire? Ça, c'est Richard Bonnier, à proximité par les municipales là, côté les cinéastes là. Donc c'est 600 appartements. C'est lui qui va mettre des mains dans la fin mois, ma soeur va mettre des mains là. Et comment ça peut vous arrêter dans le pays, président? Le pays Loc là, qui fait une bonne travail, c'est le camp de travail. Je commence à faire droit et faire tout le bagage pour un plan. Ça veut dire ça, c'est le premier village pour policiers. Premier village pour policiers. Quand il y a 600 appartements, il y a bien logement 72 mètres carrés, 26, 3 chambres à coucher. 2 chambres à coucher, je dis. Pardon, 2 chambres à coucher, président. Oui, ok. Mais on dit. C'est 3 ou bien 2? Nous avons 3 ou bien 2? Si c'est deux, si c'est trois, on a commencé avec deux présidents. Deux chambres à coucher. Deux chambres à coucher, salon, salon à manger, balcon. 72 mètres carrés de surface. Ouais, normal. Puis, mais vraiment, mais là, il parle assistique. Oui. Et puis, Prio, c'est vraiment abordable. Il a coûté 16 347 $. Il y a environ 2 millions de gouttes pour tout. Il va finir 2 millions de gouttes. 1 million et quelques mille gouttes. Oui, oui. Pour, ça veut dire, et dans combien de temps payé Kajaro? Il y a bien entre 25 à 30 ans. Et de toute façon, même policier qui est salaire de base là, qui 20 000 gouttes là capable. Même policier 20 000 gouttes là capable. Sans problème. Sans problème. Et à hauteur de 7,5%. Combien de taux d'intérêt? 7,5% là. Ah, mais attends. Ça veut dire ça, son petit couteau, c'est bon, bon, hein? Non, ça. Ouais. Alors, c'est gagné vous ça, parce que les policiers plein dit que BNC quoi, c'est 15%, c'est ça, 23%. Quoi, nous sommes dans 23, nous sommes dans 7, 3 fois 7, 27 et demi. 3 fois moins. Oui. Et puis, président, on prix abordable. Oui. L'argent prêté là, pour construire tout le monde qui a construit, pour construire ce qu'il nous a construit, qui a bien tout le bagage moderne là-dedans, même pour gaz propane, il y a bien toute connexion là-dedans, sans dire connecter gaz propane, puis tout le bagage normalement, a bien réservé. Pour avoir gagné de l'eau, à sa réservoir surélevé, pour permettre même sur le courant pour gagner de l'eau par gravitation. C'est pareil moderne, terrain multisport, qui a gardé ça pour là, terrain multisport, tout ça, c'est vraiment, il y a vivre pour le monde, tout bon. Alors c'est raison ça, nous disons notre travail nuit et jour pour permettre vraiment de nous répondre à besoin ça qui sont besoin urgents pour les policiers. Ok, on l'autre point important pour le ministre, que nous discuter le bon là. Fon dit pour tout le monde, pour le premier cop nous gagnons, qui c'est 2 milliards, c'est pas là, j'en fais cadeau, non? Ça veut dire qu'il y a 2 milliards de gouttes qui sont disponibles pour déraper le projet, c'est pour 1200. Combien? 1200 logements à construire. Là, on a construit 1200 appartements, mais il y a 600 ça, c'est 600 ça, terrain ça qu'on. C'est ça? Oui. Et nous, qui avons un terrain sous piste. Sous piste, combien de quantité de terrain? Plus de 12 hectares, plus de 10 hectares. Okay. Et pour l'autre espace encore, pour l'autre espace encore était réservé pour l'autre institution, on apprend pour nous faire travailler les policiers. Et puis, il y a un terrain destiné à ça, qui 18, pardon, terrain Delma 33, à proximité du commissariat Delma 33, qui 18 hectares. Bon, ça veut dire si je comprends bien, c'est pas problème de rien. Pardon, l'argent, ou t'as un problème d'argent, on fait un petit problème technique. Bon,
qui défend en pile, qui parle en pile, mon petit j'apprends. Parce que tirer ça, pour mon bouquet, ça veut dire. Problème qu'on a presque résolu. Pour résoudre, c'est okay. Nous dit 31 mars, nappe débarré, qu'il blé, qu'il tonne, qu'il neige, qu'il grêle, qu'il gèle, nappe débarré. Bon. MDG, merci en pile. Merci. Policier au Cap Gardé, merci DG. Oui, ok, merci. Policier Cap Gardé, la Cap Tendé. J'en note qu'on aime des deals avant hier dans le crédit à tes plates là. Depuis le monde, l'homme dit à yo et je vais expliquer ça qui est arrivé dans la présentation à la nation, discours que je fais. Parce que il y a des gros causes là pour mettre dans la campagne électorale. Ce n'est pas après 3 ans que vous êtes effectif. Il y a des études. Il y a son paquet de travail. Je crois directeur général qui se parle à là. Il y a des gens à 2h du matin, j'ai le fait. Je suis déjà pour répondre, monsieur le président. C'est ce dossier à venir là. Parce que faut que je fais premier village là. Les affaires pays là, je suis venu là quand même. C'est le président. Il faut que je fasse une chose pour faire premier village pour les policiers. Je me dis déjà, bah là, son bataille liée. Il faut nous camper pour nous battre pour ça, nous quoi. Moi-même, je crois que. Mettez l'État au service de mon qui pi fait bio, son goût est difficile en pile. Et la police aujourd'hui, qui est pile, travail que nous-mêmes, nous avons fait pour yo, malheureusement, nous avons des gens qui sont mal intentionnés, c'est dans l'institution prestigieuse, c'est là où vous voulez Alcimet pour créer poivre. Mais nous-mêmes, nous allons gâter, nous allons mettre de l'eau sous le bois là pour nous faire la paix, la sérénité, avec vivre ensemble tourner dans la force police noire que nous sommes fiers, qui va gagner 25 ans. Le 12 juin, son force que nous avons, ça n'a pas passé, nous dit tout le monde ça. Même gens ça a arrivé en 1994. C'est un groupe, moi-même, si je suis président, par décision, ça me d'abord. Au contraire, je me d'abord restructuré la mer. Et c'est pour ça que la police, aujourd'hui, c'est qu'on renforce une police qui vient plus forte, une police qui vient cohésion, côté communication en dedans, plus fluide, côté tête-là à parler avec mi-temps, tête-là à parler à base-là, mi-temps à parler avec base, mi-temps à parler en l'air. C'est pour nous communiquer. Et je crois que dans ce sens, si nous avons une recommandation que je dis à faire à nouveau DGA, c'est commencer sous forme de, pas comme si c'est, pas football là, nous allons recommencer, des congrès que nous allons faire. Comment pour policiers, pour vous garder avec Saint-Pajan, gagner des côtés au Fayon, puis manger ensemble, puis fêter ensemble, pour content ensemble. Parce que cohésion sociale, là, on compte un coup police. On compte un coup l'armée, force armée d'Haïti, c'est pour ça que existait, c'est pour mixité sociale. En respectant la hiérarchie des policiers, m'a dit, pas gagner institution qui porte des âmes sur la terre, c'est pas le respect de la hiérarchie qui pouvait durer. Parce que fuck hiérarchie respectée, côté des âmes, depuis pas gagner respect de la hiérarchie, son tête chargée, son problème gagné. Faut respecter hiérarchie là pour que moun qui l'a pour diriger qui l'a pour passer l'audio faut moun qui l'a qui pour prendre l'audio respecter moun ça et m'a dit vice versa moun qui l'a pour passer l'audio tout faut reconnaître que vivre ensemble son métier parfois il faut avoir des mains de fer dans des gants de velours s'ouvrir les rives pour ouvrir les rives avec un commandement qu'on va passer, ça dépend de qui joue on passe. Et où on va soulever le monde, ou soulever montagne avec une seule parole. Ça dépend de qui joue on dit. Et c'est pour ça aujourd'hui, hein, nous avons depuis presque une semaine, nous avons travaillé parce que là nous rendons compte. Je nous ai dit en tant que garant de la bonne marche des institutions, problème qui arrivait dans les policiers. Le seul choix que nous avons, c'est jouer rôle nous pour nous garantir bonne marche institution, ça qui c'est la police nationale, pour nous créer cohésion dans
pense que Rampil Paul qui parlait là, nous parlait de l'ONA, nous parlait de EVBLS, nous parlait de 4 débit, nous parlait de l'hôpital Benameuse, qui quantité policier qui soit en fait depuis arrivé sous pouvoir, quantité machine qui baille, blindé qui rentre pour la police. Et je dis un premier ministre dit que l'hôpital Benameuse n'est pas doué, ou bien il y a une dette pour lui pour. Mais en fait, il n'y a pas doué, mais service pour la police toujours ouvert PM. Ça veut dire que les policiers ont toujours les mêmes possibilités pour faire soigner dans l'hôpital Benameuse. Nous avons des affaires l'hôpital pour la police là tout, qui sont sujets qui importants. Moi-même, ça y a 2 ans avec le premier ministre, la Fontaine d'al visiter l'hôpital avec le docteur Nazar, qui est inspecteur général, un inspecteur général pour la police Saint-Clair. Nous avons allé visiter l'hôpital là. Jusqu'à présent, nous avons une dernière conversation avec un ministre. Sur l'hôpital qui est toute bagarre la donne, moi pense que Gonti est fort pour faire qui pour permettre que l'hôpital là nous déraper l'hôpital là fermé avec tout à fait la donne, parce que nous avons choisi déjà pour la police ça il y a 2 ans pour que la police ait propre l'hôpital parle. L'on policier qui a un problème pour policier pour le pas sentir côté bandit sur tirer sur lui et puis c'est dans le même côté les mêmes avec bandit qui au coucher. C'est pour ça que prendre décision pour faire village tout qui pour permettre que Faut nous lever prestige. Police là, l'armée, c'est des. Ou pas qu'à des gens qui apportent des âmes, qui ont métier des âmes, pour eux-mêmes, faut nous gon gens que nous voyons. Fierté par nous comme peuple. C'est dans la police nationale, nous allons fierté par nous comme peuple, c'est dans l'armée. Nous, ça veut dire faut nous chercher des gens pour force ça, pour nous capables de mettre à la hauteur. Un point qui est important, que je voulais faire, qui sont un point qui personnel, que je commence à travailler sur lui. Je ne peux pas couvrir ni public, mais je dis devant le commandement policier qui là. Ça fait 6 mois de ma travail sur ça, en assurance vie. Parce que là, je prends statistique qui était pas moins. Je fais travail sur 10 dernières années. Je vois combien de policiers qui tombent dans l'exercice fonction. Des gens qui ont fait des métiers ingrats. Le lever dans le matin, il fait saluer madame ni, il dépose petite l'école, et pourtant pauvre, aujourd'hui, il n'est pas tout. C'est la mort que le voile. Ça veut dire que nous avons pris une décision pour nous commencer le travail. Nous avons demandé à une commission qui vient la caille nous, dans le palais, c'est la commission de suivi, délivrée unit, qui a travaillé sur un dossier pour moi, le policier, si mon policier qui tombait prématurément, comment pour héritier lui. Après 2 mois que l'État fait, pourquoi l'État c'est 2 ou 3 mois que vous payez après ça. C'est ça, mini-justice. C'est combien de mois vous n'avez pas payé. Vous avez dit nous, pour nous connaître combien de mois l'on policier mourir. Combien de mois après si un policier mourir l'exercice fonctionne, comme depuis où? Depuis au mois, président. Merci. Depuis au mois. Après 2 il va gagner encore. Après 2 mois, il va gagner encore. Ça veut dire, ok, ministre, veut dire, c'est, sous ça, c'est sous lui que nous avons travaillé, sous un programme d'assurance. Nous pouvons informer sur la commission. Voilà. Ça veut dire, ok, merci. Ça veut dire, depuis 1 mois, le policier a fini de mourir, il n'est pas possible. Nous ne pouvons pas créer toutes ces frustrations pendant un groupe de monde qui a servi nous. Pendant l'abdomen, il y a un carbone nous, et puis il y a même un fusil dans le mur, il y a un gouma bandit. Il y a défié bandit, et puis pour ça. Ça fait 6 mois que je prends une décision, mais il faut me dire que je ne peux pas parler de ça, parce que je devais finir mon résultat. Je dis à mes résultats que l'assurance est faisable. Qui ça lié? L'État a engagé pour le capable de payer. Je parle avec le ministre des Finances, je crois, les dans la commission en tout. Mais, compagnie, prix que vous demandez à un genre, nous avons avec eux, qui permettre que si un policier tombe dans l'exercice fonctionné, et pas seulement le mot, c'est juste pas balle tout, non, parce que nous si nous avons une maladie, quel que soit le cas, d'après ça, vous dites, quel que soit le genre policier en mourir, la permettre que une assurance qui partit à partir de 5 années, une année pour payer ou même si on a touché.
Donc, si pour policiers de base, prier salaire de base, il y a 5 ans. Ça veut dire à partir de 5 ans, on va baisser, ça dépend de combien on va toucher. Et il y a payé les gens qui ont même choisi. Il faut pas oublier, il faut comprendre que la nation, dans tout pays, il faut choisir les gens qui vous disent que ce n'est pas secret. Ce n'est pas où choisir les gens. Son gens, pour m'attendre, il est tête chargée. Ça veut dire où pour choisir les gens que vous voulez pour que nous remplissions la forme. Et ça, son programme que nous arrivons très loin avec, je crois que d'ici peut-être. N'a pas fait un gros annonce dans combien de temps ministre finance. N'a fait un mois mars là. Bon, moi-même, mettez jusqu'à avril ministre. Que nous avons un gros annonce sur ça, sur assurance vie pour policiers qui permettent que, par exemple, un policier qui a un salaire de base 19 500 gouttes, ça veut dire salaire net, salaire bout de 25 000 gouttes, salaire net, c'est 19 600 gouttes. Policier ça, la cartouche, moun la quitte, ça veut dire si ça arrive, bon accident. Pas ça ne souhaitait que lui tombe pendant 5 ans famille moun l'a quitté à héritier que l'a quitté à a touché cobla pendant 5 ans ça c'est monde de base de 5 ans l'a baissé 4 ans l'a baissé 3 ans mais minimum dans c'est 1 an ça veut dire on inspecteur général qui touché par contre presque 100 000 gouttes lui même c'est 9 51 000 gouttes 51 201 ouais. Bon, inspecteur général là-bas, il précise, ça veut dire, moun sa ou même yon gana catégorie une année, ok? Et ça dépend de moi, même quoi, ce que son montant, qu'avant environ 1 million de gouttes. Mais si par exemple, le salaire là, c'est 1 million de gouttes, là c'est sur 2 ans, là 2 ans. Si 1 million de gouttes, là sur 3 ans, là 3 ans. Si 1 million de gouttes, là sur 5 ans, parce que c'est ça qu'il faut nous garder le salaire de base là, aux environs de 5 ans, ça sont dossier qui presque fin barré. Et moi-même, moi t'as aimé, j'ai ministre finance en dit là. Non, moi, ça nous font gros annonce sous lui. Mais moi-même, moi, je vais juste dans le mois d'avril pour nous annoncer que les policiers ont gagné ça. C'est pour montrer nous que dans le niveau exécutif là, nous ne pas camper. Nous avons travaillé en pile pour la police. Entre primature et palais, nous te font une grosse force ensemble pour nous te créer des projets qui travaillent sur bien-être policier. Pour finir, m'a profité de recommandement à la police, là, particulièrement directeur général. Là, pour nous être capables, après cellule de crise, là, parce que tout samedi, là, ça partit de cellule de crise, là, plus ça nous-mêmes que nous portons. Parce que je me saisis, ouais, dans le document, il était parlé de l'ONATO. Que nous même avons travaillé sur lui, il a parlé de CAPNA, il a parlé de assurance médicale, il a parlé de plusieurs autres bagages de salaire que le Premier ministre lui répond que ces possibilités pour salaire remonter n'est pas facile dans le premier temps. Maintenant, moi-même, je parle pas d'un point important, c'est sur le bien-être du policier. L'homme a vivre pour le faire travailler, à faire bien, il faut que l'on lui-même, qu'on parle sur le plan psychologique. Li bien. Ça veut dire bien-être policier. Il n'y a pas de bagage qui le passe par lui. Le policier a une famille proche qui mourit. Est-ce que vous calé qui accompagne elle, qui a le elle a famille, ça veut dire le bien-être du policier. Là, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un ménage à quitter. Mais il faut que vous montrez bien-être policier. Vous ne paquet. Bagaille qui c'est pas l'argent, ce sont des choses immatérielles. Je dis à me penser que fort nous y venons point dans le niveau au commandement police là pour nous commencer travail pour nous capable mettre sous pied un comité de dialogue social au sein de la police nationale là, mais avec policiers même, mais des gens qui par exemple dans la police communautaire. Nous avons besoin de spécialistes que nous-mêmes. Qui cap permet dialogue social, ça, c'est lui-même qui va le porter toute entité. Ça. Par exemple, bien-être du policier que nous parlons. Par exemple, c'est où nous avons un club des anciens policiers, ou bien club des. Et puis, là, vous faites son gros jazz que vous prenez pour venir jouer pour vous. Tout policier réuni. Vous avez une fin année à arriver, son calendrier que vous faites. Vous avez dépensé, par exemple, on dit vous dépensez. 50 gouttes, 100 gouttes pour faire calendrier, et puis on décide de vendre 200 gouttes. Et puis 100 gouttes pour finir, il va aller dans la caisse. Ça veut dire que c'est des
mouvement en dans police ça pour créer cohésion sociale ça. Si c'est une recommandation que nous faisons au commandement et à directeur général là, en particulier, qui va permettre que bien-être policier nous capable de parler en l'autre sens. Un point des policiers, il y a plus que 50 ans quand la police. Ça veut dire l'âge de retraite, l'État, c'est 58 ans. Mais qui politique qui menait pour que policier ça, le sorti, il est capable de bénéficier des acquis de l'expérience professionnelle en vue d'une reconversion professionnelle. Parce que l'homme il y a 58 ans, il n'a pas fini. Il est dans l'âge de retraite. Mais il y a comment pour nous faire pour nous monter un programme qui va permettre que gain reconversion qui fait pour moun nan qui vient bon reconversion professionnelle li sorti nan affaire métier de police nan enquête nan toute notre dans situation et autres on y a pour venir servir li continuer servir pays après l'âge de retraite li nous on l'autre recommandation encore c'est pour c'est sous unité spécialisée en dans police là comment pour nous faire pour nous travailler nature. Parce que un bon exemple, l'on policier allait dans une opération. Et puis, il y a plus de monde parfois qui parlait de bavio et policière. Mais pas de monde qui j'aime dit quand c'était balle en capsule sur le policier. Si le policier a sorti mourir, c'est frère qui a mis de vous. Mais leur bon on va vu le policier qui passait, faut bouger. Parce que on comprend l'inspection générale. L'inspection générale, même Wally, dans la société. C'est gens ça y est dans la société qui fait que, qui dit, mais qui loi, qu'on y a qu'à faire société à bien marcher. Moi-même, moi pense que ça, son point que me fait tout, qui cap permettre que pour bon, un statut particulier qui est accordé à unité spécialisée dans des cas spécifiques, il y a des opérations qui ciblées que vous faites, ok, et il y a des couvertures qui sont capables de bien, pas comme comment, moi-même, dans l'idée que m'a partagé aujourd'hui, hein, ça sont point qui est extrêmement urgent pour les policiers à sentir leur bras font opération, ok, le rivet, les vins colter mon, les vins craquer mon, leur sorti, il va gagner ce goût. Mais c'est des opérations ciblées, des opérations côté recommandement, by autorisation que vous-même lui allez faire. Je pense que ça, son point qui est important. Et de concert tout avec le ministère de l'Éducation nationale, ministère de l'Éducation nationale, là, qui là, je crois que faut nous mettre en place, même si nous mettons baccalauréat technique, faut nous mettre un baccalauréat en sécurité pour nous être capable de promouvoir les métiers de la patrie. L'armée, la police, les gens qui ont fini dans la 9e année, même si j'ai un baccalauréat, nous ouvrons dans le nouveau secondaire, c'est ça, que nous sommes capables de gagner un bac qui est sous ça même. Okay? Parce que chaque monde fait pour un bagage. Si vous avez la possibilité pour gagner un baccalauréat pour ces gens qui viennent à la médecine, c'est là où vous allez. Mais il faut faire un baccalauréat pour les gens qui décident d'aller soit dans la police et dans l'armée. Moi, c'est ça son point. Qui est important pour nous prendre et pour affaires assurance, ministre finance, nous t'ai parlé déjà, nous quoi qu'on prend là, nous pas besoin de dire en public, nous on qui bon l'argent pour assurance policière qui bonne pas joindre assurance vie. M'a parlé parce que les clair gérer l'état, c'est capacité pour rien pour capable distribuer richesse. Pour distribuer richesse, grand pile monde parfois, il y a des bagages que nous dit qui fait fâcher. Mais distribution richesse, c'est ou même qu'a fait plus là pour créer des lois qui cap permettre de retirer la donne pour les gens qui pas fait du tout ou bien qui cap fait monsieur. C'est wall l'état. Wall l'état c'est servir tout le monde mais c'est rendre monde qui plus vulnérable yo vivre mieux. Moi crois que nous éclaircir tout point et m'attendre pressé pour nous garder pour nous constituer comité de dialogue social ça
au sein de la police nationale pour le cap vini avec tout ça nous autres dire bien-être policier et autres et nous-mêmes au plus haut niveau de l'État. Moi personnellement en tant que garant de la bonne marche des institutions, le haut commandement de la police, le directeur général de la police, porte là ouvert. Nous pas souhaité c'est le bon crise en anticipé crise. Pour pas une crise encore qui arrive dans la police, c'est là nous la pour nous résoudre, on la pour nous anticiper. Moi remercie nous, moi remercie tout peuple haïtien qui t'a gardé nous, qui t'a tendu nous. Moi mandé tout policier, toute policière qui au même qui gain revendication, qui mandé pour que corps police là, institution NOPSA, pour que les policiers qui vivent plus bien, même de nous, pour nous entrer dans la sérénité, dans le calme, nous, pour nous capables de retourner dans le commissariat, nous, qui est avec le commandement policier, pour nous travailler dans la langue qu'on en compte. Les dents, mort de langue, si vous pas arracher les dents, vous pas couper langue. Les saignants, vous avez deux choix. Ce soir, ou aller sans jeter ou bien valer. Mais l'or, ou couper langue, ou ap vin bébé, l'or rache d'un, ou ap mazoura. Monsieur, dame. Monsieur, dame, qui nan, policier, frère Maxime, yo, pas attendre sa personne, abdine, mette tête ensemble. Ou commandement policier, hein? Commissaire, inspecteur police, agent 4, agent 3, agent 2, agent 1, font chaîne de solidarité pour nous capables toujours gagner confiance population. J'en ai gagné aujourd'hui parce que nous ne pouvons pas perdre. Si on a pire acquis que la police nationale a gagné après 25 ans. Merci à vous. Merci en pile, président Pays, merci à la presse, merci à tout le monde qui vient assister à ce genre de travail qui a différentes annonces pour la police. À la prochaine. Voilà. Équipe TVK et Bladi, merci avec tout le monde qui t'est branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'est branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là. C'est TV Caraïbes et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.